This is Rancho. J'ai demandé à Kylian si je pouvais faire la pierre. Il t'a dit t'étais trop gras et tu la finirais pas. Ah, Arish. Bonjour, excusez-moi, merci. Ah bon. Bonjour, c'est l'équipe Rancho. On est inscrit, c'est tout bon, Caro ? Bah justement, il nous demande le numéro de deux sœurs, alors... c'est toi le chef, hein ? On est inscrit, c'est tout bon ? Oui, non, mais il y a tout un cheminement. Il faut montrer le matériel. Ah, ok. Et du coup, là, maintenant, il faut attendre tout le briefing. 174 mètres avec un passage. Donc, hein ? On attaque cash, on se met 1200 mètres dans la tronche. On descend. Là, 400 mètres. Antécime, on descend. 700 mètres. Le grand mont, l'arrête, le bordel et tout, les crampons, le piolet, tout ce qu'on veut. On descend et on se remet 300 mètres dans la gueule avant d'arriver. C'est bon, tu l'as dans la tête. Oh là là. Et on va mettre combien de temps, nous ? Nous, on va mettre entre 5h30, par là, quoi. 5h30, 6h. Oh. Tranquille quoi. Je crois que ma rando la plus longue ça doit être 2 heures. Alors question, eux ils font du 1400 mètres heure. Ouais, 1200, demain 1200. Ok, et par exemple moi il faut que je fasse du combien pour rester dans les délais? 600. Ouais, ça va, 600. J'ai pas envie d'être là. Et du coup vu qu'on est inscrit, c'est bon, on peut y aller? Non, Rancho. Il y a une coutume quand on est nouveau à la Pierra Menta, on passe devant l'ancien. C'est quoi ça l'ancien? Tu verras. Bon Jean-Marc, je t'ai amené mon nouvel équipier pour la Pierra Menta. Ça serait bien que tu jettes un coup d'œil. Ah ok. Et monsieur, vous faites sécher vos pots? Non, on a rien trouvé de mieux pour choper les mouches. Putain, il est con, c'est pas possible. Tiens, un peu là, je vais te jeter un œil. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de me prendre pour une vache ou quoi? Ouais, bon bah ça c'est un petit peu gras quand même. On va le poser. ...85 kg, ça c'est trop gras. Ça vaut rien à la montée ça. À la descente, ça va aller là, ma pauvre Caro là. En gros t'es mal barré quoi. Mais, y a pas une catégorie pour les plus de 60 kg? C'est vrai ça, c'est de la discrimination. Ça, ça va pas la course, le gratin. Il est déjà bercé gras comme ça. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous avez fait votre choix? Oui. Bonsoir. Je vais prendre des pâtes bolognaises sans bolognaise, s'il vous plaît. D'accord. Et puis en boisson, je vais prendre une grenadine, mais sans grenadine. D'accord. Monsieur? Moi, je vais prendre des ravioles du dauphin. Monsieur, il va prendre comme moi, en fait. Très bien, je passe la commande. Merci. Merci, messieurs, dames. Bon appétit. Merci. Merci. Papa, après la course, c'est bien assez gras comme ça. Moi. On va au pieu là. Ouais ouais, t'inquiète. Juste 5 minutes, je dois passer voir un pote pour la course. Ok. Tu dis rien, tu me laisses parler. Ok. Ok, moi je veux que tu te mets là, tu fais le guet. Salut cousin. Ouais, salut. T'as des trucs pour la course? Ouais, il me reste bien un peu de la canne. Ouais. Graines de tournesol, graines de sésame, graines de courge. Mais t'as rien d'autre? Si, j'ai un truc.
Ça vient des US, attends, je te montre. C'est la lentille de croyer rouge. Moi, je tente qu'à ça en course. Je te prends ça. Okay. Je te dois combien? Non, t'inquiète, c'est pour moi, t'es une bonne cliente. Par contre, si c'est pour le moustachu, je surdose pas, hein. Sinon il va être en speed toute la course. Ok, merci. Salut cousin. Salut. On y va. Tu fais quoi là? Caro, Caro, tu dors? Qu'est-ce qu'il y a, mon chou? Ouais. Je peux te poser une question? Ouais, vas-y. Ça a commencé comment, l'histoire de la pierre Amenta? Tu veux vraiment savoir? Bah ouais. Bah en fait, l'histoire de la pierre Amenta, c'était il y a hyper longtemps. Dans la vallée du Beaufortin, il y avait deux familles. Les Jornettes et les Jacquemous. Les deux fils héritiers, Kylian Jornette et Mathéo Jacquemous, étaient des vrais amis inséparables. Puis un jour, il y a la famille Roux qui est venue s'installer. Et là, Kylian et Mathéo sont tombés éperdument amoureux de la fille de la famille Roux, Laetitia. Elle aussi, elle était amoureuse, mais elle était incapable de choisir entre les deux. Alors du coup, un jour, elle décida de leur lancer un défi. Le premier qui arriverait au sommet du Grand Mont deviendrait son mari. Et voilà. Ah ouais? Et qui c'est qui a gagné du coup? Bah, finalement, ils ont décidé de faire équipe. C'est comme ça qu'est née la pierre Amenta. C'est une course à deux. Allez, là demain, on a une course. Alors on va éteindre la lumière et tu dors. Ok. Caro, on est à la bourre, dépêche-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah quoi, je mets pile. Avec les pots. On n'a rien trouvé de mieux, c'est top. Ah ouais. Bon bah je t'attends à la bagnole. If you haven't got problems, this is Rancho. I got 99 problems and a bitch ain't one. Excusez-moi, je suis du CAF, j'ai ma licence, j'ai payé, je peux passer, je suis du CAF. Merci, ça vous dérange pas, je me fous là. Rancho, tu fais quoi là? Tu nous mets la honte, nous c'est tout derrière. Quoi, on va passer là? 199, viens. Ici, notre place. Ok. L'ambiance c'est tendu là quand même, non? Il y a une fête un peu le dernier soir, vous faites la fête ou pas? Ouais, bien sûr. Oh. T'imagines même pas. Allez, pas de main pour tout le monde, c'est à toi la patronne. Ah non mais, ah, attendez, attendez, là, on fait pas de mélange nous là, putain c'est dangereux ça. Alors là l'objectif là, Rancho, c'est de partir quand même un petit peu vite pour bien se placer toi. Oh un dieu de merde. Putain, mais Rancho, t'avances rien là! Putain, mais il m'a pris pour un tire-cul ou quoi? Allez, allez, joue là, la Kylian. Fais-toi mal. Allez, fais-toi mal! Calance, calance, durim, durim! Calance, calance! Le saut, j'y arrive pas là. Comment il fait Kylian pour dépoter si vite? Olé!
J'ai un succès là, Caro. Laisse-moi encore une minute. Ah, je suis dans le dur là. Il est quelle heure là, Caro? Donc on a 1h05 pour faire 400 mètres. Allez, chapeau! Comment ils font pour skier avec ces merdes là? Putain, des allumettes quoi! Allez, Caro, on envoie! Putain, mais ils aiment se faire mal. C'est vraiment un sport de sadomaso. Allez, Ancho, allez! Allez, fais-toi mal! Allez, Ancho! C'est tous les serfils ça derrière moi? Moi que là-haut c'est la fin quand même. Oh putain, elle est immense cette putain d'arête de merde. I've seen trouble.